Hey, salut à tous! Enfin, le Bacast manga revient. Depuis 2 mois qu'on n'a pas fait d'émission, de module spécial sur les mangas. Ça fait plaisir de retrouver. On va retrouver bientôt Ben là, du Manga Café et au Manga Café V2, car comme vous pouvez voir, on est à la deuxième boutique du Manga Café qui se situe au 13e. Avant toute chose, on remercie notre partenaire Animeka, donc le site référence francophone sur l'animation. Donc c'est un site qui est une vraie base de données sur l'animation. Ça nous fait plaisir d'avoir ce partenariat avec eux et on les remercie. Donc bon bah allez, on va voir Ben hein, sans plus attendre. Salut Ben, comment tu vas? Salut Philippe, ça va? Fait longtemps qu'on s'est pas vu hein. Bah ouais, mais en ce moment, il y a le nouveau magasin, comme tu as pu voir. On est sur la Japan Expo aussi, donc on prépare tout ça et ça fait que. Ça a pris un peu de retard, désolé. Bah ça fait plaisir de venir là. Hein. Et donc alors, de quoi tu vas nous parler? Alors, de quoi je veux vous parler? Bah, comme ça fait 2 mois, il y a eu pas mal de titres qui sont sortis, donc c'est vraiment des trucs qui m'ont bien plu. Alors, c'est pas forcément des nouveautés de la dernière semaine, mais c'est sur les 2 derniers mois, donc c'est vraiment ce qui m'a le plus plu des 2 derniers mois. Ça tombe bien, ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de manga café. Ouais, donc pas de shoujo, désolé. Désolé pour les filles qui regardent si vous Oh, dommage! ça va être du shonen et beaucoup de seinen. Voilà. Un peu un shonen un peu romantique avec le retour de Range Road qui pourra être lu par les filles aussi. Voilà, Ça sera notre premier Carrément. mix de la semaine. Allez, vas-y, le premier. Alors, bah, on va partir par ordre d'âge. Hein. Ça, c'est le plus pour enfants. Voilà, donc Run the Burst. Donc, une histoire de course de voiture. Depuis Initial D, on n'en avait pas eu. Sauf que là, c'est pas du tout sur la performance pure. C'est pas des Formule 1, c'est pas des voitures de course. C'est une course qui est à travers le monde. Il faut parcourir le globe. Il y a des milliers de participants en fait, et il faut parcourir le monde avec n'importe quel engin qui roule. Voilà, c'est pas forcément une voiture. Tu vas voir que le héros en fait, il se balade avec un genre de tracteur. C'est vraiment une course, donc une course de longue haleine parce que il y a des étapes, etc. Mais c'est très drôle. L'auteur, en fait, c'est un auteur qui avait déjà fait enfin, deux, trois petits mangas à succès. Et là, on arrive sur une grosse série. C'est vraiment drôle. Public, ça va être du. Ça à partir de 8-10 ans, mais ça peut être vu par du 15, 16, 18, 20, voire plus, s'ils aiment rigoler. Hein. Alors ouais, design très rond, ça me fait un peu penser à Inazuma Eleven, tu vois, dans l'idée un petit peu la rondeur et dans le propos plutôt sérieux finalement. Ouais, alors c'est quand même un petit peu plus adulte. Inazuma, c'est vraiment, ça commence vraiment pour les enfants. Là, c'est un petit D'accord. peu plus 10-12 ans plutôt, 14 ans. Enfin voilà, c'est un tout petit peu plus sérieux, hein. Pas beaucoup plus sérieux parce que c'est quand même assez loufoque, mais c'est un petit peu plus sérieux. Ouais, c'est vrai que c'est loufoque. Et du Ouais. coup, bah, les personnages qui font des gueules vraiment sympathiques, ils sont attachants? Ouais, alors en fait, c'est l'histoire. L'histoire, pour être précis, c'est un petit garçon que je crois qu'il a 8 ans et il irait partout dans son village. Vraiment errer partout, c'est un surdoué en mécanique. Et donc, en fait, il va tout d'un coup rencontrer un mec qui est un peu fou et qui l'avertit qu'il y a une course et qui l'embarque avec lui en tant que mécano. Et lui, il y a une de ses copines du village qui va le suivre, un peu par hasard, vraiment au début par hasard, et qui elle est policière. Donc, elle va aller avec eux pour les protéger, pour leur servir un peu de maman, parce que lui, il a 8 ans, l'autre, il a l'air assez jeune aussi, voilà. Donc, et puis ça va faire un trio assez drôle à mon avis. Et ils partent à l'aventure dans la course autour du monde. Ça a l'air vraiment très fouillé, c'est super dynamique. Même les bulles, j'ai l'impression qu'elles font partie un peu des dessins, tu sais, elles sont Ouais, c'est vraiment super très joli. criardes. C'est pas du tout un coup d'essai. L'auteur, il a déjà fait plusieurs mangas. Donc, tu vois qu'il rentre vite dans le scénar, il rentre vite dans le dessin, c'est bien dessiné. Moi, ce qui m'a pas mal plu, c'est que, tu vois, c'est assez épais quand même. Tu mets pas 5 secondes à le lire. Moi, j'ai mis un bon 40 minutes, alors que pourtant, il y a de l'action, etc. Ah, Donc, ça parle quand même pas ouais, il y a mal. un peu d'action, mais il y a un peu de parlotte aussi derrière. Mais C'est quoi? Est-ce que c'est technique sur la mécanique? Pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment une aventure. T'as la course en toile de fond, mais c'est vraiment une aventure, un shonen pur d'aventure. Ils partent à l'aventure, etc. Alors, est-ce qu'ils rencontrent, comme le shonen traditionnel, des gens? Ils font leur équipe, à travers le monde, ils bravent les étapes avec des différents, Alors non, méchants. ils font rien parce que le tome 1 commence avec le début de la course. Donc tu vas voir que petit à petit, ils vont rencontrer d'autres adversaires. Sûrement, il va y avoir des challenges avec les autres adversaires, etc. Mais en fait, c'est pas l'équipe se fait tout de suite dès le début et ils partent à l'aventure.
Vraiment, il n'y a pas du tout de prologue. Vraiment, ça commence direct. Et tu sens que forcément, il va y avoir des rivalités avec d'autres qui ont des voitures plus grosses ou plus rapides ou plus techniques, etc. Et eux, ils ont en fait, c'est un tracteur avec un ancien moteur d'avion. Enfin, c'est un peu particulier, mais c'est assez drôle. C'est les fous du volant face au Voilà, c'est manga. ça. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, ils ont fait un film récemment, ça s'appelle Red Line, qu'on attend encore en France. Et pareil, c'est une grosse course complètement timbrée. Donc, Run Day Burst. Voilà. Que tu Son conseilles. manga, ouais, il est sorti le mois dernier. Il y a le 2 qui va sortir là dans 2 semaines et c'est vraiment pas mal. C'est prévu pour être une grosse série ou pas? Vraiment un shonen référence ou Bah, alors au Japon, ça a bien marché. Les éditions Kiun espèrent que ça vont bien marcher. Comme ils l'ont mis juste devant, en fait, c'est l'auteur de Fullmetal Alchemist. Elle a adoré ce manga, elle le conseille vraiment. Ça fait toujours un Bah peu si l'auteur de Fullmetal toujours un peu pub, mais bon, si ça part bien, je pense que ça peut faire une bonne série. Ouais, c'est assez drôle. Ok. Voilà. Allez, vas-y, parle-nous de ton deuxième. Alors après, on va partir sur Orange Road. Oh, Pas mal de gens connaissent, hein, Max et compagnie. de la douceur. Ou un petit peu, ouais, un petit peu de douceur. Moi, j'aimais bien. Je les avais lus déjà à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand ils étaient sortis au format J'ai lu, qui depuis a fait faillite. Donc, c'était assez introuvable. Donc là, Tonkam qui nous les ressort. Toujours le même format, un petit de poche. Nouveau visuel pour la couverture. C'est assez étonnant Ouais, d'ailleurs. c'est pas mal. Ouais, en fait, c'est l'image est la même, mais ils ont retravaillé l'arrière-plan, etc. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est joli. Alors, justement, moi je connaissais que l'anime, D'accord, tu connais l'anime. j'avais vraiment beaucoup aimé tout ça. Est-ce qu'il y a des Moi, différences? j'aimais pas du tout l'anime. Moi, je suis anti-anime. Puis, je sais pas, je trouvais ça un peu gnangnan dans l'anime, vraiment. Alors, ça allait un petit peu dans le manga. Hein. Ça reste une histoire de triangle amoureux, donc. Il va vouloir sortir avec 2 filles, toutes les deux, pourquoi pas, mais il va falloir qu'il choisisse. Il a du mal à choisir. Un coup, il aime l'une, l'autre coup, il aime l'autre. Enfin, il sait pas trop. Voilà. Donc, c'est le triangle amoureux de base, hein, comme on en a pas mal dans les mangas. Mais c'est assez drôle. Et puis, en plus, il y a des pouvoirs. Je sais pas si tu te rappelles dans l'anime, mais il a des dons télépathie. Toute sa famille Toute qui a sa ses dons. famille, en fait, il a hérité de sa mère qui vient de mourir. En fait, le tome 1 commence, sa mère est morte, et donc ils débarquent dans une nouvelle ville, et ils veulent faire une vie un peu tranquille. Sauf que lui, tout de suite, il va tomber amoureux de Madoka, qui est la rebelle du lycée, mais belle gosse, tout ça. Madoka, c'était pour les nostalgiques, c'était Sabrina dans l'animé. Une grande Et enfance pour ouais, la non, pauvre petite. c'était horrible. Et Ikari, c'est. Non, Ikaru, Carrie, c'est. ouais, je sais pas comment elle s'appelle en français. C'était Pamela. Toi, c'est bon. Un très beau nom, c'était Pamela. C'était D'accord. excellent. Et Kyosuge, il s'appelait comment en français? Max? Ah, bah oui, Max, excuse-moi. Ouais, non, mais je regardais vraiment pas l'anime. Voilà, donc il va tomber amoureux de Madoka, qui est la rebelle, motarde, chef du lycée, tout ça. Mais un peu rebelle, mais en même temps attachante. Et puis, au début, pourquoi pas, elle va commencer par le jeter, puis tout d'un coup, un petit peu. Voilà. Et puis après, il va tomber amoureux aussi de Pamela. Voilà quoi. Et donc, c'est Alors, les l'histoire d'un. noms, Ouais, on va je dire. connais. Ouais. Et donc, bah, c'est triangle amoureux de base, mais un petit peu avec des pouvoirs. Et puis, moi, je conseille vraiment à tous les gens qui n'ont pas pu se l'acheter il y a 10 ans, ou parce qu'ils étaient trop jeunes, ou parce que. Bon, ils avaient d'autres choses à acheter. C'est vraiment une bonne série. Triangle amoureux, c'est ce qui se fait de mieux. Ah, moi, j'aime bien cette série parce que elle respire un peu les années 80. T'es dans la mode tenue Ouais, vestimentaire, dans la façon d'être des personnages. J'aimais beaucoup la série pour ça, en fait. et puis les dessins sont pas trop mal. Bon, ça a un peu vieilli, mais ça reste quelque chose de sympathique. Ça va. Ça Ouais, fait c'est simple. un petit peu Rumiko Takahashi, Ramin Demi. Ça se rapproche un peu du style. Oui, c'est fouillis, y a Voilà. beaucoup de cases, pas mal de C'est la même bulles. époque, hein, donc c'est un petit peu même genre de dessin. Exactement. Ok. Sympa. Donc, Orange Road pour les nostalgiques et ceux Voilà, qui aimeraient avoir du rétro, on va dire. voilà. D'ailleurs, Donc, c'est tous étonnant les qu'ils fassent pas gens. des grosses éditions. Tu sais, maintenant ils font des grosses éditions à 10 euros Collector, là, ouais, de mais. luxe. Mais alors, en général, ils font ça sur des éditions qui existent exactement pareil au Japon. Alors, peut-être c'est parce que Orange Road n'est pas sorti en Deluxe au Japon, en fait. Faut vérifier, je sais pas. Donc, ça va être une première puisqu'on a un sponsor donc pour le Manga Café. C'est cool ça, un Ouais, pardon. sponsor. Le Bacast Le Manga, Bacast du coup. manga, ouais. Donc, c'est Comic-Con. Comic-Con, bien sûr,
Une partie de la Japan Expo, en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça. Alors, Comic-Con, donc, c'est la troisième saison là, du festival du coup, des cultures et de l'imaginaire. Donc, c'est bien sûr du 30 juin au 3 juillet, je ne me trompe pas. Hein. Exactement, ça a lieu exactement en même temps que la Japan Expo. C'est... Ça sera dans la deuxième partie, exactement. En fait. Et nous, on est juste entre le Comic-Con et la Japan Expo. Ah, le malin. Eh bah ouais. On essaye de grappiller. Deux, voilà, c'est ça. Et du coup, donc, là-bas, vous allez y voir des spectacles, des invités, des news sur les films, les séries, les comics, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir en plus, parce qu'on sera avec tous nos Watch présents au Comic-Con. Il ne faut pas dire à la Comic-Con, c'est au Comic-Con. Voilà, c'est ça. Et donc, n'hésitez pas à nous voir. On sera avec tous les podcasteurs ici. Et enchaîner aussi avec Ben. Au Manga Café. Toi, t'es toujours éreinté là-bas, ah ouais, t'es prisé de partout. Ah ouais, non, c'est la mort, mais en même temps, c'est l'occasion de voir des milliers de fans, donc c'est cool, mais éreinté, c'est sûr. Surtout dimanche. En tout cas, venez au Comic-Con hein, et faites un petit crochet pour nous voir. Allez, on passe à la suite, ça va être quoi ta nouvelle sélection ? Hokuto no Ken, mais la légende de Toki. Donc... Il y a eu Hokuto no Ken, la série que tout le monde connaît, Ken est survivant. Et derrière, on a plusieurs spin-offs. Donc, on a eu La Légende de Rao, qui était pas mal. Le dessin, j'aimais pas trop, mais c'était pas mal. La Légende de Rei, qui est sympa, mais qui s'éloignait, qui était bien, hein, mais qui s'éloignait un petit peu de l'esprit post-apocalyptique, etc. Vraiment. Et là, La Légende de Toki, c'est vraiment, je trouve qu'on retourne vraiment sur des bases Hokuto no Ken. Donc, c'est vraiment à la Mad Max, vraiment post-apocalyptique. Les méchants, ils sont vraiment méchants et tout. Et donc, on revient aux sources de Ken, en fait. Voilà, on revient vraiment aux sources de Ken. On a vraiment l'impression que ça fait partie de la série Ken. Donc, c'est toujours Burenson au scénario. Mm-hmm. Voilà. Mais au dessin, c'est un autre auteur. Donc, c'est pas, ça se rapproche. Hein, je trouve que c'est le dessin qui se rapproche le plus de l'original, vraiment. Ah bah carrément, et puis, ouais. Il s'est un petit peu affiné le dessin, mais il garde les traits principaux, ouais. Sur les visages principalement. Ouais, 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 ça vraiment, pour le coup, ça ressemble le plus, c'est le spin-off qui ressemble le plus à Ken. Ah, et tu as vu Tetsuhara et Burenson qui sont en fait au scénario, alors que l'un était au scénario et l'autre au dessin. Exactement. Voilà. Bon, c'est la légende de Toki. Hein. Je pense que ceux qui sont les fans de Hokuto no Ken connaissent Toki. Hein. C'est le frérot de Ken. Voilà, celui qui pratique le couteau de la compassion, c'est-à-dire qui tue, mais gentiment. Hein. Les gens, ils meurent de douceur et de bonté. Voilà, donc en fait, dans ce tome 1, c'est un peu l'histoire qu'on connaissait de Ken, donc ça met en place. Il monte un genre d'orphelinat où il va récupérer. Enfin, de. Pas d'orphelinat, mais de maison de malade où il va soigner tout le monde, etc. Et redonner la vie au village, hein, un village de malades. Et donc, bien sûr, il y a tous les pillards et les méchants du coin qui vont venir pour tout saccager. Et bon, il est cool, mais en fait, bon, il va quand même être tué. Hein, faut pas... Du coup, oui, parce que lui, il est malade. Lui, il est malade, mais bon, c'est quand même une grosse bête. Hein. Il a beau être malade, il est aussi fort que Ken et Rao, donc... Il préserve ses efforts un peu, mais quand il s'énerve, voilà, ça reste du Hokuto no Ken, hein, donc il y a des bains de sang, il y a un peu de tout. Oui, mais lui, c'est que vraiment les gros méchants, un peu comme Ken, voilà. Sauf qu'il est plus vu comme le pacifique, en fait, des trois frères. Ouais, le pacifique qui tue, mais ils ont le sourire quand ils meurent, donc c'est beaucoup plus pacifique. Je trouve ça génial, j'ai hâte de lire ça parce que le mec qui meurt avec du plaisir. Avec le plaisir et il a jamais atteint autant le nirvana qu'en mourant grâce à Toki. Enfin, voilà. Je trouve ça génial. C'est assez sympa. Ouais. Alors, ça fait quelques années là, qu'ils refont en fait, pas mal de spin-off de Ken. Parce que ouais. Tu sais, il y a eu toute la nouvelle vague d'animation qui a été faite sur les films, les OAV. Ils avaient fait même un OAV voilà, aussi, ouais, qui était plutôt gentil, qui était plutôt sympa. Ouais. Mais ouais, du coup, donc ça, tu le conseilles ? Ouais, vraiment, je le conseille. J'avais autant Rao, c'était vraiment pour les gros fans de l'histoire. Rei, c'était un peu plus. Mais là, Toki, c'est vraiment tous ceux qui ont eu Hokuto no Ken. C'est un peu une histoire décalée, mais qui vraiment reste dans la même veine. Voilà. Alright, donc pour les amoureux de sang et de compassion, allez, foncez sur la légende de Toki. Compassion, ouais, il y a beaucoup de compassion dans le manga. La mort avec le sourire. Voilà. Donc alors, maintenant, on va passer au quatrième et dernier. Ah, j'adore Hitman. Voilà, c'est cool. C'est vraiment bien. Avant de présenter, il nous dit j'adore Hitman. J'aime bien quand ça commence comme ça. Au début, ça a commencé un peu... c'était un peu l'histoire. C'était sympathique, mais j'étais pas sûr que ça allait vraiment devenir un très bon manga. Puis là, on est au tome 3. Et c'est vraiment une histoire qui me plaît. En fait, c'est assez loufoque. Hein. C'est l'histoire d'un un jeune salarié man, en fait, qui est... Il est
il résout les conflits en fait dans sa société. Quand il y a des problèmes de négociation, c'est lui qu'on envoie. C'est vraiment un baratineur. Il a la tchatche et il réussit. Mais bon, ça, il est pas très doué de ses mains. Vraiment, tout ce qu'il a comme atout, c'est qu'il a un bagou pas possible. Il essaye de résoudre. C'est un VRP de luxe pour résoudre des conflits. Et en fait, un jour, il va tomber sur un assassin mafieux légendaire. Voilà. Et quand il arrive, en fait, il est en train de mourir. Et donc, il va lui dire, bah, t'es obligé, tu prends ma suite et tu deviens WS, le nouveau assassin, voilà, à ma place. Le hitman, quoi. Ouais, voilà. Et donc, il y va. Lui, en fait, non, il n'a pas vraiment le choix parce que le mafieux lui dit, bah, écoute, j'ai mis une police d'assurance, une police sur la tête de ta femme, donc si tu fais pas ce que je dis, elle va mourir. Donc t'es obligé d'assurer les contrats à ma place. Donc il rentre dans une organisation mafieuse qui s'appelle Combini, voilà. Et c'est assez énorme, c'est vraiment drôle. Mais c'est carrément drôle, parce que le dessin est super sérieux. Moi ça m'aurait fait penser un peu à Kring Freeman, tu vois. Mais dans le pitch, c'est l'idée du dessin bien seinen. C'est bien seinen, c'est vraiment, c'est histoire de mafia, il règle ça. Lui c'est double flingue, hein, parce qu'il a des gros flingues, et parce que voilà, donc c'est vraiment le gros... Lui il meurt pas, il sourit pas quand il tue les gens, quoi. Voilà, sauf que celui qui prend sa suite, en fait, c'est un mec qui s'y connaît pas du tout, qui va faire semblant de double flingue, lui, mais qui... il s'y connaît pas, donc petit à petit il va apprendre, et puis forcément il a l'ancienne copine de Double Fin qui est super sexy, qui à chaque mission se retrouve à moitié nue, on sait pas trop pourquoi, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et c'est mafia mais dans un monde assez drôle. Voilà, donc il explose des têtes, hein, il tue, etc. Il devient rapidement assez doué. Au début pas trop, au début il arrive à tuer avec des ruses, etc. Il fait semblant de recharger, en fait il met des balles en tête. Au début il use de beaucoup de stratagèmes, et puis après il devient vraiment balèze. Il apprend rapidement le métier, il devient un bon tueur. Et voilà, c'est vraiment assez drôle. Okay. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on a une sorte de hiérarchie dans la mafia, qui est plutôt plaisante généralement dans les histoires de mafia à découvrir, et alors, que lui du coup il va... Voilà, il a un son supérieur qui s'appelle Binoclar, en fait, qui est celui qui donne les ordres et qui est un peu son supérieur, qui va lui dire, voilà, t'as ça comme mission qui est arrivée, il faut absolument que tu le fasses, parce que sinon on va tuer tout le monde, voilà. Et c'est quoi, c'est des petites histoires indépendantes? C'est plein de petites histoires... plutôt indépendante, même s'il y a des personnages un peu récurrents, mais c'est des petites histoires, ouais, qui se suivent et qui montrent, en fait, la trame de fond, c'est lui qui petit à petit se perfectionne et monte en level dans la mafia. Voilà. Ok, d'accord. Un peu saupoudré Golgo 13, mais comique ou comique, sexy, pas baston mais arme, voilà. Ok, d'accord. Bon, bah nickel. Donc Hitman, ouais, Hitman tout court, c'est Hitman ou... tout court, part-time killer. Ok, d'accord. Voilà. Que l'on vous conseille. Et donc, question fatidique. Qu'est-ce que j'ai le plus kiffé ? Qu'est-ce que t'as le plus kiffé si tu as 10€ ? Quel manga conseilles-tu pour la dépense ? Le fan de Ken t'aurait dit Toki, mais comme on n'est pas tous forcément que fan de Ken, je conseillerais Hitman. Voilà, voilà. Alors si t'es fan de Ken, va sur Toki, mais pour des gens qui partent sans a priori, pour moi c'est Hitman le mieux. Enfin, oui, parce que Toki, si tu connais pas l'univers de Ken... Si tu connais pas l'univers de Ken, ça sert pas à grand chose quand même, hein. Il faut vraiment... ça peut être sympa à lire comme histoire, mais bon, il y a quand même énormément de références à Okuto no Ken, donc si t'es pas fan de la première série, c'est pas la peine. Ouais, donc ouais, ça reste quand même du spin-off pur, quoi. Bah écoute, je te remercie. À bientôt sur la Japan. Bah oui, effectivement. Bon, on va aller à la Japan, on va te retrouver d'ailleurs, si vous voulez faire un gros bisou à Ben. Hein, je pense qu'il fera aussi chaud que là maintenant, on sera tout transpirant. 10 fois plus, 10 fois plus. N'hésitez pas à venir le voir et puis bien sûr à venir nous voir même au stand de No Watch. En tout cas, je te dis à la prochaine. À bientôt. Et on refera ça ici. Hein, ouais, maintenant je suis ici, donc normalement on refera ça ici. Ok. Allez, salut. Salut à tous.